Salut, c'est Zani et on se retrouve dans cette vidéo en live pour le quatrième épisode de Song of Horror. Alors, normalement, le live était prévu pour la date de sortie de l'épisode 4, à savoir le 30 janvier 2020, sauf qu'en fait, ils ont sorti le jeu à 23h, ce qui fait que le live d'hier soir a dû être un petit peu annulé. Voilà, voilà. Donc, je m'étais dit que si le jeu sortait... Salut Crash Monstre, en tout cas le faux. Donc ce qui fait que si, je m'étais dit que si je sortais avant 22h, je lancerais le live sur l'épisode. Mais comme c'est arrivé à 23h pour faire une heure de live sur ce jeu-là, je trouvais que ça valait pas le coup. Donc c'est ce soir. Et si on ne termine pas ce soir, il y a de fortes chances qu'on ne termine pas ce jeu ce soir. Ou alors cet épisode serait très court et donc ça serait très triste. Et ben je continuerai sans doute demain ou sinon ça sera dimanche à la place... du jeu prévu, voilà, voilà. En tout cas, j'avais très hâte, je lance le jeu, j'avais très hâte de la sortie de cet épisode 4, sachant que j'ai quand même enchaîné les 1, 2, 3 ces dernières semaines, donc je suis à fond dedans. L'épisode 5 qui sort au mois de mars, ça va être très long de l'attendre. Je pense que dans cet épisode 4, on va retourner dans un univers encore plus glauque que le premier épisode. Et l'épisode 5 est prévu être dans un hôpital psychiatrique. Et là, je pense qu'on va atteindre des sommets de terreur. Alors, on a bien l'image. J'espère que le son, ça va. Faudra me dire si c'est un peu trop fort. Petite nouveauté. Enfin, non, retour en arrière. J'ai remis le casque. Alors, c'est pas pour moi. Parce que je me suis rendu compte que malgré toutes les protections que j'ai mis autour de mon micro, qui est unidirectionnel... En plus, il a un bouclier sonore autour de lui pour empêcher le son de l'atteindre, à part ma voix, puisqu'il est en face de moi. Malheureusement, on entend quand même le son du jeu que moi j'entends quand je suis sur haut-parleur. Et ce qui fait que je trouve que le son du jeu qui vous est restitué n'est pas très propre. Donc ce soir, remise du casque, je verrai à l'usage ce que ça donne. Mais le son, du coup, risque d'être un petit peu plus fort, mais surtout plus immersif pour vous, surtout sur un jeu comme Song of Horror. Alors, dernière chose avant de me lancer, hein, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à me lancer, c'est autant j'attendais avec une réelle impatience la sortie de cet épisode, autant en vrai je suis pas pressée d'y jouer. J'ai une vraie appréhension, une vraie réelle appréhension, voilà, je pense que je vais avoir peur. Et j'ai pas envie d'avoir peur. C'est, voilà. Je sais que je vais survivre, hein, que je vais faire tout ce qu'il faut pour m'en sortir. Mais j'ai pas envie. Ah, zut. Alors tous les fils se sont mêlés entre le casque, le clavier et la manette. Hop, excusez-moi pour le petit bruit. Donc, eh ben, rappel, hein, c'est un jeu, faut pas essayer d'y jouer au clavier. C'est juste infaisable. Donc, je sors la manette. Et c'est bon, elle est activée. Alors on y va. C'est parti. Donc mes
deux grands suiveurs sur cette série d'épisodes ne sont pas là. Ils seront peut-être pas là ce soir. Donc Chigo et Steph, hein, je pense à vous. Parce que je sais que vous regarderez certainement. Mais en tout cas, je me lance. Donc épisode 4, le dernier concert. Je pense qu'on va avoir une petite restitution de ce qui s'était passé la dernière fois. La dernière fois, c'était à l'université. On était sur les traces de Usher, le professeur, qui est romancier. On a refait son enquête, ce qui nous a amené donc à cette fameuse abbaye de Sainte-Cécile. Et la fin de l'épisode 3, on est avec Usher dans cette abbaye. Et franchement, c'est dégueulasse. Il y a des moines morts partout. Et il y en a même un qui nous court après, qui a plus l'air très vivant. Donc ça promet. On y va! J'ai envie et j'ai pas envie en même temps. Je l'ai essayé ici il y a 4 jours, je croyais. Je pensais qu'il m'avait encore oublié, pris par ses rêveries habituelles. C'est déjà arrivé, vous savez. Est-ce qu'il est resté seul, ici? Vous savez s'il est entré? Oui, juste là. Je sais pas s'il est entré. Il m'a demandé de partir. Il avait l'air un peu plus incohérent que d'habitude. Comme je vous l'ai dit, ce ne serait pas la première fois que je voyage avec Sébastien pour finalement me retrouver dans des vacances forcées jusqu'à ce qu'il se souvienne que je suis là. Honnêtement, je pensais qu'il avait juste complètement oublié et qu'il était rentré chez lui. L'hôtel était réservé jusqu'à lundi, donc... Mais il n'est pas chez lui, ça, on le sait bien. J'imagine, je crois savoir que la porte n'est pas fermée, même s'il est peut-être un peu gonflé par l'humidité. Peut-être que si on lui met un petit coup... Essayons ça, mais quelqu'un doit chercher une autre entrée. C'est consacré au saint patron de la musique. Il y a cette mélodie. Alors pour moi, c'est très très fort là. Très très fort dans mon casque. Je pense que je vais être obligée de baisser, mais je vais baisser sur mon micro plutôt que sur l'ordinateur. Alors j'ai poussé, audio adjuste, volume. Excusez-moi, ça va faire un petit peu de bruit. Hop, 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 hop. Parce que là, c'est vraiment trop fort pour moi. On va essayer comme ça. Hop. J'y croyais, vous? J'ai tout éteint. Excusez-moi, j'ai fait une connerie. J'ai éteint un écran. Du coup, toutes mes fenêtres ont bougé. J'ai tout remettre à sa place. Touc. Et surtout, vous mettre le chat pour pas vous rater quand vous me donnez des bons conseils. Hop, on est bon. Par contre, pourquoi j'ai pas de son? Si. Et retour du Warrior. Retour d'Alexander. Ça, ça fait plaisir. Je pense que s'il est présent, c'est parce que je l'ai sauvé à un moment donné. Hein. Voilà, voilà. Je vous ai laissé la caméra en bas. Je verrai si ça vous gêne beaucoup. En fait, il y a le menu, hein, normalement, qui est ici. Je remonterai peut-être au fil de l'épisode. Oh, retour Alexander. Donc on a Grace qui est toujours là aussi parce que je ne l'ai pas tuée dans l'épisode 3. J'ai fini avec elle, je suis assez fière. Donc j'ai deux personnages que je n'ai pas tués qui sont présents dans ce dernier épisode. Et la surprise, c'est voilà, c'est Ernest Finnegan, qui est donc l'ami... c'est quoi, c'est marqué quoi? L'ami archéologue, l'ami de Usher, archéologue avec lui. Du coup, lui est nouveau. En fait, je me dis qu'on ne peut pas commencer cet épisode avec que deux personnages, à moins d'avoir tout fini avec Daniel. Parce que si on a tué tout le monde sauf Daniel dans tous les autres épisodes, effectivement, il ne nous reste que Daniel et le nouveau Ernest. Et ben, s'il y en a qui commencent leur partie comme ça, c'est chaud. Alors, particularité dans cet épisode également, de ce que j'ai lu, en même temps, je l'avais lu pour 3 aussi, mais de ce que j'ai lu pour cet épisode...
c'est qu'en fonction du personnage qu'on va choisir, on va pas rentrer dans l'abbaye au même endroit. C'est un peu bizarre, c'est un peu une nouveauté, donc à suivre. Donc lui, il s'éclaire à la bougie, c'est un gadget bizarre, il peut à nouveau entendre, c'est un appareil auditif, super. Ça se trouve, ça va faire comme dans le premier épisode avec la technicienne. On va entendre des sons un peu chelous. Donc Grace, hein, boost d'énergie avec sa caféine, on la connaît. Alexander, avec sa petite fiole de vodka, notre héros. On l'aime, Alexander. Et donc Daniel, toujours présent, mais je vais pas commencer avec lui. Moi, je reviens toujours à la même chose avec lui. C'est un peu le dernier, quoi. Et comme j'aime bien Alexander et puis que Grace, c'est un peu mes deux héros, et ben, je vais commencer avec ce nouveau personnage qui va peut-être mourir très vite ou pas. I can go have a look. Allez, Sure. en plus I il connaît know un the peu. area, more or less. Plus ou moins. More or less. Donc c'est un lieu qui accueille des concerts le jour de la Sainte Cécilia. Et il y aurait eu un dernier concert, le concert maudit. Où tout le monde est mort. En tout, comme ça, où tous les moines en tout cas. Bon, on sait que les moines, ils ont fait des expériences pas très nettes, hein. Des expériences avec un miroir, d'ailleurs que Usher a essayé, on était resté sur ça. Allez, c'est parti, courage. Sebastian, my old pal, where are you? Vous voyez, je prends mes doses de nicotine là, pour trouver du courage. Alors, il paraît que l'entité va être encore plus agressive. Alors, déjà, derrière moi, il y a un truc. Donc, c'est un mur. Donc là, on est dans la cour qu'on a déjà visitée, je pense. Du coup, on sait où il est, là, Sébastien. Enfin, à peu près, parce que. Il faudrait que je m'en souvienne. Alors du coup, moi qui ai l'habitude d'écouter... qui ai l'habitude d'écouter pas au casque, ben, je me rends compte que ça fait tout le temps du bruit là au casque. Je vais faire le tour, hein. Je reconnais l'endroit, hein. D'ailleurs, il y a un. Je sais même pas ce qui était venu fermer la porte derrière Sébastien. Il y avait un truc qui avait fermé une porte. Et ici, il y avait la salle de bain ou un truc du genre. Je sais même plus. Y a un petit bruit de fond, mais. Je pense que ça, c'est le bruit normal. Qui c'est que ça? Il y avait ça la dernière fois? Une trappe. Ça tremble. On entend un cœur. Ça doit être le sien. En fait, il y a plein de sons que je n'entendais pas avant. On a entendu un petit bruit, ça l'a fait trembler en fait, lui. Bon, avant, je le sentais dans la manette, hein, qui vibrait. Je trouve que c'est pas exactement comme avec Sébastien, hein. C'est plus délabré. Cet endroit a été bombardé. Parce qu'on pouvait faire le tour hein, avec Sébastien. Et normalement, il est venu 4 jours avant. Donc. Donc pas d'histoire de bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, non.
Et ici, c'est pas pareil non plus, hein. C'était une fontaine qui avait, c'était pas un puits. Je peux pas faire ce que je veux. Si. C'est des fleurs qui peuvent résister à la neige. Elles sont entourées de vignes épineuses. Je dois pouvoir faire quelque chose ici, mais je n'ai pas l'objet. On y pensera, on reviendra. Bon, après, map, voilà. On a des petits rouages, mais on peut revenir. Donc, je confirme, dans cet ancien cloître, avant, on pouvait faire le tour complet avec Sébastien dans l'épisode 3. Et là, bah, on en réduit la moitié. Hein. Et surtout, c'est plus une fontaine, au milieu, c'est un puits. Moi, je suis désolée, j'ai fait l'épisode la semaine dernière, je m'en souviens bien. Une corde à un seau. Il fait sombre, mais je suppose que je pourrais monter par un escalier si mes genoux ne cèdent pas. Devrais-je descendre? Bah non! Non, non, non! J'ai pas envie de le tuer après 5 minutes de jeu. Donc ici, on peut faire un truc aussi, hein. On peut descendre des objets dans le puits. Ça se trouve, on va arriver par en dessous à un moment donné. Il aura fallu qu'on se descende un objet, une connerie comme ça. J'aime beaucoup cette musique. Cette ambiance sonore. Allez, on va essayer de rentrer dans les portes maintenant qu'on a fait le tour. Ici, il n'y a rien derrière. A priori. Ouh, c'est ouvert! Des petits bruits. Alors, je rappelle ma technique. Hein. Cool. On marche. Cool. Il y a une autre porte là. Il y a plein de portes en fait ici. Parce qu'on peut aller derrière là. Lire. Je sens qu'on me suit. Je sais que l'abbaye est abandonnée. Mais j'ai parfois l'impression qu'il y a quelqu'un là. Qui éteint les bougies? Ce n'est peut-être que le vent. Ou le froid insupportable. Je dois être en train de perdre la raison, mais je vois parfois des bougies que je ne me souviens pas d'avoir allumées. Putain, je dois trouver l'origine de cette chanson maudite et sortir de cet endroit. Alors, comme d'hab, ça me vire. Hein. Il n'y a rien derrière. J'entends des rats. Le placard est vide. Mais la porte est bloquée. Cette ambiance. Donc un réfectoire et des cuisines. J'ai presque l'impression que j'étais déjà venu ici. Je crois que Sébastien, il avait ouvert le... Le feu là. Je suis rendu où là? Ça va être grand. Hein. Il y a deux portes en fait ici. Non, j'hallucine. Non, j'hallucine pas. Non, c'est ce mur là. Ok. Ok, ok, ok. On a dû entendre du bruit, on a eu peur. Serrure en fer.
préférez continuer à fouiller ici? C'est bizarre que les moines laissent une table comme ça. Oh, un placard où je pourrais me cacher en montrant mon ventre. J'espère que je vais pas tomber sur cette entité là. J'ai trop de mal avec la, comme là avec la porte, j'ai du mal. Les étiquettes sont en latin. Très grand tout ça. Mais ici, c'est juste un petit. Ah ouais, non, celle-là, non. Bah non, on n'ira pas. Celle-là, on peut. Plein de graisse. Ok, ça je dois pouvoir ramasser la graisse, mais pour ça, il faudra un récipient. Ok, ben donc c'est bien face que ça va se passer pour le moment. T'avais vu le lustre en bois là qui bouge? Alors, il croyait que je peux monter là? Non. C'est là où il y a un moine qui récite des prières pendant que les autres mangent. J'ai vu quelqu'un, non? Ah non. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un bout de bois ou je sais pas quoi. Bouteille de liqueur. Ah, j'ai vu un rat passer sur une poutre. Je vais essayer de chercher l'huile tout de suite. Avant, ah, globalement, j'ai pas peur des rats. J'en avais un quand j'étais plus jeune. Et j'irais pas leur faire des câlins dans la rue, hein, bien sûr, mais. Mais juste, ça me fait pas peur. Donc c'est là que vous voyez pas le menu en fait. Et si à un moment donné je bloque. Non, c'est pas ça. Hop, je vais bouger la caméra. Donc ça me fait prendre une mini pause. Voilà, je pense qu'en haut c'est un peu mieux. Et voilà. Je remets mon chat. Et hop. Bon, je suis revenue là pour rien, je perds mon temps. Non, 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 non. Je reviendrai voir à l'occasion s'il y a encore, s'il y a encore du bruit, mais. Allez, oh, le décor. Ok. Ouais, mais hey, je vois rien là. C'est quoi cette caméra de pourri? Mais. Allez, allez, allez. Respiration, respiration, respiration. Ok.
Je me suis un petit peu ratée, hein, on va pas se mentir. Pourtant, c'était bien parti, mais j'ai raté un truc. Et boum, elle m'a ressauté dessus, quoi. Pourquoi il continue de courir? Ah, maintenant on peut rester. Non, j'ai cru, je sais pas, il a bugué. Pourquoi il y a une lumière blanche? C'est mes yeux qui font des. Mes yeux qui font des effets bizarres. On commence bien. Je ne peux pas ouvrir ce placard, il est gonflé. Il n'y a pas, non, il n'y a rien à faire de spécial. C'est des rats. Oh. Des fois j'ai des doutes, hein. Mais c'est moi qui psychote. Il y a un passage, un tunnel de l'autre côté du mur. Il a dû être utilisé par les moines. Mais maintenant il est bloqué par une lourde trappe. C'est la trappe qu'on a vue. Qu'on va sûrement pouvoir ouvrir avec ça. Cette manivelle doit être ce qui fait tourner les engrenages sur le mur. Ça ne bouge pas. Si je prends l'engrenage, peut-être que je... Pourrais-je y faire quelque chose? Oui. Voilà, on le prend. Et on va mettre de l'huile. C'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il dit? Ça n'a aucun sens. Il est dit ici que l'accès au quartier des moines était interdit. Mais n'est-ce pas là qu'il dormait? Ok, donc faut que je retourne en face pour l'huile. Sachant que j'ai déjà eu l'entité une fois. C'est quoi? C'est... Il y a quelqu'un qui mange? J'ai entendu des bruits de couverts. Cette salle est casse-pied avec cette table-là. Allez utiliser la manivelle. Engrenage lubrifié, super. On va l'utiliser si on se fait pas choper avant. La forme de l'entité que je déteste le plus. Il a peur, il tremble. On a vu quelque chose, non? La forme d'entité que je déteste le plus, c'est le silence. Alors que pourtant, il est plutôt facile... Ah, excusez-moi pour le SMS. Hop, pour le message. Alors que pourtant, il est plutôt facile à... À faire le QTE. Bah, moi, j'ai beaucoup de mal à supporter cette entité. Elle me fait peur. Au plus profond de mes tripes. C'est sa forme, son design qui fait ça. Ouais. Allez, c'était pas ça, c'était ça.
Là, c'était Steph, il m'a dit qu'il arrive. J'ai besoin de soutien psychologique. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Si je regarde par là, ça donne une... carrément de l'autre côté en vrai. Ah, c'est. Ce que j'ai ouvert, c'est la trappe. Moi, je dis, si c'est un lieu abandonné, qui fait des feux de cheminée? Et pourquoi je pouvais encore faire A? Jesus, of course. Without the handle, the trap door won't stay open. C'est bizarre, hein, quand même, que je puisse reprendre l'objet. Excusez-moi, hein, mais des fois ça fait sens, hein. Il y a des choses comme ça qui sont pas anodines. Les puzzles, en général, dans le jeu, quand tu les as résolus, tu ne les vois plus du tout, tu peux plus interagir. Là, si je peux interagir, c'est peut-être qu'il faudra revenir le chercher pour l'utiliser ailleurs. Alors par contre, c'est ça, c'est à l'extérieur qu'il faut que je retourne. En face gauche. En fait, quand il se met à trembler, c'est peut-être qu'il se passe des choses, parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de petits détails dans le jeu, des ombres qui passent par-ci, des fantômes par-là, et peut-être que je les vois pas. Alors, c'est pas du tout la trappe à laquelle je pensais, en fait, elle est à l'autre bout, la trappe à laquelle je pensais. Mais, maintenant que j'ai ouvert ça, de toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas d'objet. Faut que j'essaye les. Il me reste trois portes hein, dans le cloître là. Hein. Trois portes encore à tester. Hein. Donc, je manque d'objets, c'est surtout ça que je me dis. C'est un peu en ruine tout ça. Ah si, il me reste un objet, j'ai une bouteille. Une bouteille de bibine. Ah ok. Bon, j'ai bien senti le truc. Au niveau de la map, de toute façon, c'était par là. Mes genoux sont pas au temps de la tâche, mais je suppose que je pourrais ramper. J'espère sincèrement que je suis pas en train d'y aller alors qu'il manque la moitié des objets. Hein. Qui a allumé cette jolie cheminée? Quelqu'un a allumé ce four, Sébastien. Est-ce ton œuvre? Où es-tu passé? Salut, agent Reyes. Bienvenue. M'excuseras, je suis un peu stress. Donc c'est estompé. Se cacher au bruit. Ah, là je peux me cacher ici. Livre en décomposition. Donc du coup, je suis atterri où? Voilà, sur la pièce que je pouvais pas ouvrir là. Il y a une porte. Donc ici sur le four, ça m'a mis un engrenage. C'est donc qu'il y aura quelque chose à faire. La seule chose que j'ai pour le moment, c'est une bouteille d'alcool. Par contre, je vais essayer d'ouvrir ça maintenant. Ah, ces caméras. Voilà, pour avoir un raccourci. Parfait. Ça grince. C'est un jeu de survie horreur. Bienvenue.
Alors il est un petit peu à l'ancienne, t'as vu, il est en caméra fixe, en plan fixe. Pourquoi il y a un squelette dans le four? Ok, il y a une clé. Une clé sombre avec un anneau élaboré. C'est en bon état et froid au toucher. Du bric-à-brac. Petit bout de papier. Page 2 du journal de l'abbé. 12 décembre 1912. Il a été purifié. Je n'ai plus rien à craindre. Ses os se songeront en poussière dans ce four, car je ne permettrai pas qu'il soit emmené ailleurs. Cela devrait suffire à faire taire les voix. Tout va bien, je n'ai rien à craindre. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est terminer son hôtel et garder mon calme. Je ne dois pas avoir peur. Ma foi ne doit pas faillir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, par contre, cet épisode est sorti hier. Hein. Et le premier est sorti en octobre 2019, donc ce n'est pas un vieux jeu. Mais c'est fait à l'ancienne. Moi, je trouve ça plutôt agréable, même si on est obligé de jouer à la manette, parce qu'au clavier, c'est infaisable. Ah, mais zut, je me trompe de... Je voulais quand même regarder derrière. Non, il n'y a rien. Il y a une autre porte hein, dans cette pièce, on va aller s'y diriger parce que là. Faut tout fouiller hein, dans ce jeu. Après, fouiller, c'est pas difficile, c'est toujours indiqué. Mais on sait jamais dans quoi on met la main dans ce jeu par contre. Hein. Par exemple, il faut écouter derrière chaque porte. Et il faut écouter attentivement parce que des fois, il y a une entité qui fait pas beaucoup de bruit mais qui est là quand même. Là, ça a l'air safe. On retombe dehors. Ah, c'est un autre cloître. Ah, c'est celui où il y avait Sébastien dans l'épisode 3. C'est celui-ci. C'est pour ça que je ne le reconnaissais pas, l'autre. Donc là, on se rapproche de Sébastien. Hein, qui fait partie de l'histoire principale. Il me fait de la peine. On dirait vraiment qu'il a froid, le gars. Allez, comme toujours, en mode cool. Oui, ça fait un peu ça. Ouais, Until Dawn. Donc je disais, comme d'hab, je fais le tour tranquille. J'ai cru voir quelqu'un, c'était une branche. Faut que j'arrête de psychoter. Non, c'est rien du tout, ça. Je fais le tour pour trouver les objets, si jamais il y a des objets. Donc mes potes, ils doivent être derrière ça. C'est aucune trace, ok. Le problème dans ce jeu, c'est qu'on peut se faire sauter dessus par une entité qui a plusieurs formes. Donc jusqu'ici, on a eu 4. C'est un QTE à chaque fois. Et franchement, ils sont pas faciles. Alors, au bout de 4 épisodes, j'ai envie de dire que j'ai un peu pris le coup pour certains. Celui qui me fait le plus peur, où je perds mes personnages, c'est la porte. Parce que la particularité de ce jeu, c'est que quand on perd un personnage, il est définitivement mort. Et là, je commence avec 4 personnages. Donc là, c'est le premier. Et si j'en perds 4, eh ben, je recommence l'épisode depuis le début. Une scène, j'aime pas les scènes. Oh, il y a de la lumière là-haut. C'est normal, c'est Sébastien qui était là-haut. C'est un truc bizarre dans le miroir, non, c'était moi. Et tout le stress dans ce jeu, hormis l'ambiance, c'est la mort permanente. Ça, c'est une vraie angoisse, les morts permanentes. Et je vais même te dire le pire, c'est que... Attends, je vais mettre en pause parce que sinon le compteur il tourne avec l'entité. Le pire, c'est que les personnages que j'ai réussi à sauver dans les épisodes précédents, et ben dans cet épisode-là, je peux les jouer. Et je peux les jouer uniquement parce que je les ai sauvés. Et c'est ces personnages-là parce que c'est eux qui ont survécu. Parce que une autre personne, elle aura d'autres persos qui ont survécu et ce ne sera pas les mêmes persos avec lesquels elle peut jouer là, à ce moment-là. Je sais pas si tu... Je sais pas si j'étais très claire.
Ok, ça a l'air safe. Il n'a pas voulu. Non. Mais c'est verrouillé. Nope. Sinon, quel jeu? C'est ici qu'il me dit. Ah oui, c'est un des personnages qui disait nope. J'ai entendu un truc. Non, c'est bon. J'ai entendu un raclement. C'est bien par là qu'il était, Sébastien. Ici, il doit y avoir une salle de douche. Je vais y aller, pour qu'il y aurait des objets récupérés. Ah, c'est qui, lui? C'est le silence. Il a une autre forme. Vieux con. Alors c'est celui que j'aime pas, mais il a une autre forme. Et je suis pas sûr que d'avoir utilisé ce petit vieux là, ce fut ce qu'il y avait de mieux à faire. Parce que ce boulet qui se met à tousser. Et en plus, tout ça, il n'y avait rien. Donc ici, c'était les toilettes. J'ai quand même allé voir, hein, par principe. C'est toujours aussi dégueu. En même temps, en 4 jours, personne n'est venu faire le ménage. Ah, c'est ce qu'avait ramassé. C'est aussi dur que le roc, mon Dieu. Et ben, il l'a ramassé, hein. Donc, il l'a ramassé. Ça reste un objet qu'il fallait avoir pour finir le jeu. Ah, y a pas de soucis. Y a pas de soucis. T'as raté, du coup, il y a une entité qui est apparue. C'est quand même pas de bol, ou alors c'est toi qui l'as fait apparaître, en fait. Je suis rentrée dans une salle de bain et il y avait un des monstres. Qui s'appelle le silence, et c'est celui que je déteste le plus. Tiens. Oh, il y en aura d'autres, t'inquiète pas. J'ai commencé depuis une demi-heure et j'en ai déjà eu deux. Hein. Alors que je la joue en mode cool, ce qui veut dire que je fais pas beaucoup de bruit. Et que donc je l'attire moins. Si normalement il n'y a rien. Mais hein. Comme c'est un nouveau personnage, on ne sait jamais. De la farine. Ah bah si, vous voyez, comme quoi. Pourquoi ça bouge comme ça? C'est parce que j'ai marché sur une planche, il s'est fait peur tout seul, le boulet. Non, il y a un truc. Je peux me cacher ici, s'il y a besoin. Je continue les portes. Hein.
Par ici qu'il y a Sébastien. En haut des escaliers, non. Mais ouais, je me souviens, il y a une entité qui l'avait fermée. Derrière moi. Enfin, derrière Sébastien. Je continue en méthodique. Il me reste deux portes à tester. On va y aller cool comme d'hab. Il y a du bruit dans la cuisine, ça me fait peur. Allez, bouge-toi, pépère. Donc ici, c'est là d'où je venais. Ici. Ah, allez, hop. C'est vrai en argent, mais j'ai une clé. J'avais oublié que j'avais une clé. Et ça, je peux pas. Il y a cette porte là, éventuellement. T'as l'air safe. En éteint. Mais moi, j'ai quoi comme clé, du coup? C'est une clé sombre. Froid au toucher, ça m'indique rien du tout. Hein. Elle est ouverte. Ok. Donc c'était une clé à usage unique. Mais j'aimerais bien l'utiliser, ça, non? On dirait qu'il y a un truc dedans. J'aime pas du tout ce trou dans le mur là. On voit qu'on va pouvoir passer là. Hein. C'est évident. Ah mais par contre c'était fermé de l'autre côté là-bas. Je vais commencer par faire le tour comme d'habitude. Ça y est, ça commence. Alors pas les pompiers, je suis désolée. Mais les pendus. Il m'a pas fait trop peur celui-ci. Faudrait juste qu'il bouge pas. Je voulais juste regarder là. On dirait une lettre de suicide. Elle raconte l'horreur qu'il ressentait. Dans quoi avons-nous mis les pieds, Sébastien? Est-ce que je le regarde quand même? Bon Dieu! Pardon, je l'avais pas vu. Lui, il va se relever, c'est sûr. J'ai rien pour me cacher, j'ai rien pour courir. Oui, je joue à d'autres types de jeux, ouais, bien sûr. Tu peux regarder sur la chaîne, tu verras un peu à quel genre de jeu je joue. Mais il y a beaucoup de types de jeux que j'aime bien. Bon. J'arrivais pas à activer le A. Cahier perdu. Ce n'était pas des superstitions stupides. Cet endroit est exactement comme ils disent. Je ne me souviens plus par où je suis entrée. Je continue d'arpenter sans cesse les mêmes couloirs vides. J'aurais dû écouter les villageois et rester à l'écart de cet endroit. Je sens comme mon esprit sombre dans un abîme. J'entends quelque chose briser le silence dans ces salles, un bruit similaire au bruissement des robes autour de moi. Il semble venir de partout à la fois, mais quand je lève ma lanterne, je ne vois rien. Et pourtant, les sons reviennent quand je la ramène en place, plus proche qu'avant. Malédiction, suis-je devenu fou? En même temps, on est en train de... Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire qu'ils nous ont mis des trucs comme ça pour nous faire peur.
mais que ça fait rien du tout, quoi. Ça fait rien du tout. Ah, je pourrais me cacher là. Ah, par contre, faut pas faire le con avec les miroirs dans ce jeu. Ah, sécateur, parfait. Et je sais ce que je peux couper, mais c'est dans le premier cloître. Ça fait loin. Ça fait prendre beaucoup de risques. Ah, la porte! Ah, c'est le plus dur! Pour moi, c'est le plus dur. C'est celui que je rate le plus souvent. Ouh. Franchement, c'est celui que je rate le plus souvent. Il y a des épisodes, j'ai perdu 3 persos sur ça. Ou 2, je sais plus. Mais franchement, c'est le plus dur. Pour moi, c'est le plus dur. Dans l'épisode 3, j'en ai eu aucun des comme ça, heureusement. Il tremble plus. Ok, c'est silencieux, on doit pouvoir y aller. Ah, je peux pas passer maintenant. Alors ça, par contre, c'est bizarre. Il fait pas ça d'habitude. Mais je sais, c'est parce qu'il faut que j'aille dans le mur. Il n'y a pas d'autres morts dans ces lignes, hein. Mais lui, il n'a pas bougé. Heureusement, il n'a pas bougé. Mais je l'ai pas regardé, hein. Ça se trouve, il y a un truc sur lui où il va se retourner. Recouvert et abandonné ici. Comme s'il faisait simplement une sieste. Imaginez, je reviens dans cette pièce, il n'est plus là. Les boules. Alors, je parle beaucoup, je suis désolée, mais c'est aussi un aspect rassurant de parler. J'ai cru que c'était un pendu. Faut que j'arrête de psychoter. Ok. C'est jamais anodin, les petites séances de cinématique comme ça, de caméra. Par contre, si tu pouvais marcher droit, Pépère, ce serait bien. Intéressant, cette vanne doit réguler le débit d'eau du tuyau. Se pourrait-il que cela ait quelque chose à voir avec le réservoir là-bas? Sauf que moi, j'ai pas vu de réservoir là-bas. Du vin rance. Ouais, c'est ça, le jeu te dit un peu où est-ce qu'il faut regarder. Après, en vrai, c'est pas un jeu qui est très compliqué, hein. J'ai pas vu d'énigme. Ça donne où, ça? C'est une nouvelle pièce, hein. J'ai pas vu d'énigme complètement impossible, en fait. Ce qui est dur, c'est la pression de cette entité. Un presse-raisin. Ok, super. Ouais. Je crois que c'est le tuyau de réverin, il doit empêcher l'eau d'atteindre un certain niveau. Donc là, j'ai vidé, hein. D'où Jésus. Il a un truc dans la main. Il a une clé dans la main. Oh, Jesus. Nobody survived, did they? J'ai quoi? J'ai un sécateur, mais ça, je suis sûre que c'est pour faire autre chose. Je vais peut-être essayer d'utiliser... faire du vent. Nope. J'aime bien les nope. Je suis sûre que c'est pas le sécateur. Hein. Je fais les expériences, hein. Bah, c'est fini pour les expériences. A priori, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, ça tremble. Qu'est-ce qui se passe encore? Il a eu peur, il a eu très peur. Je sais pas ce qu'il a vu. Moi, je l'ai pas vu. Si je fais tomber le sac sur la grille, ça se trouve, ça va péter la grille.
Là, il y a de la lumière. Oh, encore ce courrier en poème. J'ai pas envie de le lire. J'ai pas envie de le lire. Par contre, à chaque fois, je suis obligée de retourner. On verra s'il y a une énigme là-dedans. On le saura vite. Je suis à l'étage, hein. De toute façon, ça va être fermé là, tout simplement. 4 serrures. Ça veut dire 4 clés. Ok. Et ben, on reviendra. On va continuer notre tour. Je peux pas faire tomber le sac là. Non. Pourquoi j'ai l'impression de voir des trucs courir par la fenêtre? C'est mon ombre à moi qui fait ça. C'est horrible. J'ai l'impression de voir 3 trucs passer devant la fenêtre. Ça m'a mis un petit coup de pression. Donc là, il faut un truc pour ramasser là-dedans. On va continuer le tour. C'est pas pour rien que je suis vigilante. Hein. Ouh, ça tremble, il a eu peur. C'est clair. Clair, clair, clair. On fait des psychoses. Par contre, il a très peur. Faudrait être calmé, mon gars. Un vieil alambic. Ok. Tourner. Ouais, c'est bien. Ok, j'ai fait un truc comme ça, Ok. C'est le deuxième alcool que je récupère. Cette porte, elle est coincée, et c'est pour ça qu'on pouvait pas y aller. Alors, je vais vous dire, malheureusement, il me reste une porte à visiter ici, là, sur la droite par rapport à où je suis, donc on va y aller. Et après, il va falloir que je retourne dans l'ancien cloître pour essayer de couper les plantes avec mon sécateur que j'ai récupéré. Si le jeu me laisse le bouchon, oh, je peux regarder. Non. C'est pas un jeu où on cache beaucoup de choses sur les objets en eux-mêmes. C'est plus dans la combinaison des objets et leur utilisation, bien sûr. Par contre, je peux peut-être combiner. Non. Ok. Ah, de l'alcool, ça va pas me servir à récupérer la clé qui est là. Alors partout où tu vois des engrenages, c'est partout où il y a des choses à résoudre. Donc ça aussi, le jeu te l'indique bien, c'est plutôt pratique. Donc la porte qui est sur la gauche. Là, je sais plus s'il y avait des trucs pour me planquer, ouais, si on a un juste devant, au besoin. Donc là, la porte, elle est en face, en fait. Ah, le décor. Donc, j'ai pas essayé celle-ci.
Ça a l'air safe. Et c'est fermé, serrure en argent. Ok. Donc, mais non, mais il y a deux portes que j'ai pas fait là-haut. Mais comment je les ai pas vues? Je suis bigueuse. Je vais tout de suite aller dans l'ancien cloître. Par contre, si maintenant j'ai juste à traverser en fait. Tout est ouvert. Je peux passer par le réfectoire. Non. Je l'ai pas ouvert. Ah bah non. Toujours là le cadavre, ouais. J'hésite, ouais, si je veux passer par là. Il y a tellement de portes dans ce jeu, c'est infernal les portes. Et là, dans cet épisode, on atteint des sommets. Hein. Pourquoi il a peur comme ça? Il se passe quoi? C'est non, c'est les fouets, ça c'est des effets. Moi, bon, ça va s'arrêter. Avec une manette PS4. Voilà, donc j'ai des croix et des carrés, pas des A et des B. Mais maintenant j'ai pris le coup. Alors je suis venue pour ça. Et il a peur. Je sais pas pourquoi il a peur. Un bouquet de fleurs. Des fleurs rouges cueillies dans la neige. Je dois pouvoir faire quelque chose d'utile avec ces fleurs. Alors ça. Aucune idée. Ouais, moi aussi. De toute façon, c'est ce que je préfère aussi. Faut juste que le cerveau il s'habitue à croix carrée égale Y à B quoi. Alors je peux pas mettre une bouteille là-dedans. Des fleurs, mais je peux peut-être mettre une bouteille. Non. Ok, rien à voir. Ah, j'ai eu peur, c'est un scooter chez moi, il m'a foutu les boules. Alors, logique. Qu'est-ce que je peux faire? Avec les objets que j'ai.
pas faire grand chose en vrai. Il y a deux portes tout au nord là, je vais aller les revoir. Et il me restait les deux portes dans le nouveau cloître aussi. Alors je parle de nord, mais ça n'a aucun sens dans ce jeu. Ça, j'ai toujours pas d'objet hein, qui puisse ouvrir ça. Quoique j'ai encore mes sécateurs, hein. Ça fera pas l'affaire. C'est un objet le plus improbable. Il parle d'un objet improbable, hein. Donc c'est pour ça que je suis en train de tout essayer. J'ai pas essayé la bouteille. Non. Je dois pas avoir ce qu'il faut encore. Il me semblait que j'avais essayé toutes les portes ici, moi. Moi, ouais, c'est ça, serrure en argent. À un moment donné, quand je vais avoir la clé en argent, je vais pouvoir tout ouvrir. Ça va être ouf. Ça va être la fête. Celle-ci, c'est en fer. Tombe sur les avoir essayé, hein, mais il a pas. D'ailleurs, la clé en fer, c'est celle qui est sur le cadavre, qui est sous la grille. On reconnaît la forme. La forme est marquée. Alors si j'étais avec le personnage Grace, je me permettrais de courir un peu plus parce qu'elle est discrète. Mais lui, il est absolument pas discret. Tiens, je vais te faire écouter pourquoi... Je vais te montrer pourquoi il faut toujours écouter derrière les portes. Ça, si j'ouvre la porte, je me fais avaler dans le néant direct. D'ailleurs, ça lui en fait peur. Alors, une chose que je n'ai pas faite, c'est rentrer dans le puits. Je rappelle que dans le puits, dans l'ancien cloître à gauche, il y a des escaliers. Enfin, il y a une échelle. Mais je n'y ai pas été. On sait très bien que ce jeu est super fourbe. Donc je vais aller essayer les deux portes que je n'ai pas encore faites, là-haut. C'est pas rassurant quand on entend ça derrière une porte. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle il faut toujours écouter derrière les portes. Oh. Il me fait faire tout le tour, hein. T'es sérieux? Je vais tomber sur l'entité, mais on va faire des balades comme ça. Ici, il n'y avait pas de... Pas du tout, là, je veux aller. Et donc en fait dans ce jeu il y a toujours des... Ça y est j'ai compris un truc que je dois faire. Il y a toujours des portes piégées dans ce jeu. Ok, ça servira bien mais il faut que je mette un truc au four. Est-ce que si je mets des fleurs au four, ça peut faire un truc comme ils font là pour chasser les esprits? Moi je dis ça. Hein. Ok. Et de l'alcool. Non. Et ce truc dégueulasse.
Ok, non. Bon, j'ai pas encore l'objet a priori. On y va. Moi, de toute façon, j'aurais vu le lieu en vrai. Déjà de base, je rentrais même pas dedans. Je vois abbaye où tous les moines sont morts. Déjà, je rentre pas dedans. Et je fais une pétition à la mairie pour qu'ils le démolissent. Oh, faut pas déconner quand même. Donc c'est les deux portes qui sont en face que je dois encore visiter. Hein. Alors ce qui est marrant c'est qu'à l'extérieur... Oh non, ça c'est AAA. Allez, rentre! Et je dois me débattre les bras aussi quand ça apparaît. Allez! Allez, allez, rentre! Dégage, lâche-moi! Donc ça, c'était le... quatrième type de QTE, on les aura tous eus déjà. Il est pas dur, mais il fait peur. Alors moi qui étais en train de dire que je me sentais... J'allais dire que je me sentais relativement safe à l'extérieur. Parce que l'entité, elle peut pas ouvrir les portes, ni envahir les murs. Et ben... si. Il y a le gouffre. Allez, perdons pas de temps. Enfin... tranquille, cool, mais on y va. Il reste deux portes ici que je n'ai pas faites. Hein. C'est vraiment de mémoire, il me semble qu'il y en avait une qui était hantée dans l'épisode 3, une de ces deux portes-là. Ok, super. Non mais j'ai déjà été ici tout à l'heure. Non? C'est pas ici qu'il y a la salle de bain et Ok, réfléchissons. Là, il y a forcément un endroit où je dois aller, quelque chose que je dois faire. Salut Ichigo! Tu tombes bien. J'ai déjà échappé à 4 fois à l'entité. Et j'ai l'impression de ne pas encore avoir avancé dans le jeu. Hein. Et je suis désolée pour hier soir, en fait. Hein, le jeu il est sorti hier le 30, mais à 23h. Voilà. Ils l'ont sorti à 23h. Donc j'ai pas pu faire le live hier soir. J'étais hyper déçue. Hein. Donc il n'y a pas de porte dans laquelle je peux entrer. Il me faut vraiment cette clé là. Cette clé triangle. Qui est en fait dans la pièce en bas à droite, on sait qu'elle est là. Il faudrait que je réussisse à l'ouvrir. Parce que partout là, il n'y a rien à faire. Et c'est comment qu'on change d'étage déjà? C'est là. Et là, il me faut 4 clés. Je vais aller creuser un peu là où il y a le cadavre. Il me faudrait vraiment cette clé.
Elle est quand même louche cette tapisserie, hein. Mais bon. Si je pouvais faire quelque chose, je me le dirais. Alors si on entend des mouches, c'est parce qu'il y a bien des cadavres dans la pièce. Christ. 20 more pounds and I wouldn't have made it. Ouais, peut-être. Bonne soirée, agent Reyes. Profite bien de ta soirée. Puis il y aura le live, hein, enfin, qui sera en replay de toute façon, si jamais t'es intéressé par la suite. Ah, je sais, je sais, je sais, je sais, je viens de comprendre. Il faut que je bouche le tuyau pour remplir le machin d'eau et pour faire flotter le cadavre. Moi, je dis que pour avoir une logique comme ça, déjà... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et on va l'avoir, la clé. Merci, je croise les doigts. Ah, mais c'est pas une clé triangle du tout. Moi, je croyais. Si, si, c'est une clé triangle. Ok. Donc maintenant, si on regarde la map, on voit tous les endroits où il y a une clé triangle qu'on peut utiliser. Donc déjà, j'allais ouvrir le réfectoire. Parce que ça me permettra d'aller de nouveau à l'ancien cloître plus facilement. Pour le suivant. Si Pépère il meurt. La fille qui a vachement confiance. Tu vas être content, Shigo. Tu vas être super content. Devine qui est revenu dans les personnages à cet épisode. J'ai le chat qui fait du bruit qui me fait flipper. C'est quoi cette caméra? Oh non 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 non, je veux pas regarder dans le miroir. Ne regarde pas dans le miroir. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Casse-le le miroir, je te dis. Il est courageux, hein. Vas-y, pète-le, miroir, je te dis. C'est... Je dois faire quoi? Oh, nouveau QTE. Excuse-moi, donc, oui, Shigo, c'est Papy Vodka qui est revenu. C'est notre warrior, c'est notre héros. C'est Alexander, il est à nouveau disponible. J'ai pas voulu commencer par lui, parce que j'avais pas envie de le tuer, tout de suite. Mais il est encore là. Super cool. Mais j'ai commencé par lui, qui est archéologue, qui est le pote de Usher. Alors, je lis ce nouveau QTE, il s'appelle le Requiem. Ils viennent vous chercher. Seul le miroir peut les révéler. Pour tourner le miroir, je ne suis pas la souris. Voilà. Pour tourner le miroir, c'est joystick gauche. Une fois que vous le voyez, vous devez les achever en vous concentrant... Oui, en me concentrant aussi. Vous devez les achever en consacrant la lumière de votre lampe sur eux. Pour ce faire, maintenant, enfoncez la touche RT. Si vous prenez trop de temps, ils essaieront de s'échapper. Ne les perdez pas de vue ou ils attaqueront par derrière. Oh non, mais vous savez que tous les QTE, je les rate quand je les connais pas. Ils sont où? Tu veux pas apparaître? Je te vois là. Il y en a d'autres? Ils sont combien? Ils sont moches, hein. Il y en a un autre, forcément, il y en a un autre. Il est où? Il est où? Je l'entends. Il est où? Il est là. Pas bientôt fini, oui.
il est tout proche. Alors c'était le QTE d'entraînement, hein. Donc je pense que c'est celui que je pouvais pas rater. Mais les prochaines fois, on ne sait pas ce que ça va devenir. Du coup, j'étais en train de faire quoi? J'étais en train de monter. Merci Shigo. Mais... j'ai pas du tout aimé. Donc je peux ouvrir ici. Et c'est là où était Sébastien justement. Tu te souviens, on avait vu une entité le fermer le grillage juste derrière lui. Il était là-haut, Sébastien. Enfin, il était pas vraiment là-haut, il était dans un couloir. Derrière les murs. Je sais même plus. Non, on n'était pas passé par là pour aller là où il y avait toutes les cellules des moines. Par contre, je me souviens qu'il y avait une porte piégée juste à droite, là. Ou fermée, je sais même plus. Non, ça, je peux l'ouvrir. En argent. Pardon. Et moi, j'ai une clé en fer, donc c'est pas celle-ci. Ça grince. On reconnaît ces lieux-là. On était venus. Tiens, un objet. Pièce détachée, 1 sur 3. Ok, il va en faire plusieurs. Je n'ai pas encore toutes les pièces. Il y a un cadavre là-dessous. Moi, tant qu'il bouge pas, ça me va. Il était déjà là, ce cadavre, la dernière fois? Ça se trouve, c'est Sébastien Usher qui est là-dessous. Ah, il était là. Là, t'as bonne mémoire. Merci, ça me rassure. Ok, ok, ok. Un vieux poil dont la flamme brûle. Était-ce vous, Sébastien? Ouais, c'était lui. On avait ouvert la porte, là. Et on s'était fait courser par un gros vieux. Un vieux zombie. Là, je pourrais me cacher, s'il le faut. Parfait, parce que peut-être qu'il faudra. On peut se cacher des deux côtés. Ok, super. Ça, ah, une autre pièce. 2 sur 3. Et ça, c'est le mécanisme qu'on a ouvert. Le vieux gros zombie. Il nous avait fait peur, celui-là. Et ça, c'était terminé sur ça, quasiment. Donc, c'était ici. Et là, il y a toujours un cadavre. Et Sébastien, il était passé par là. Et là, il n'y a pas de vieux gros qui course. Ah, c'est fermé. Je pense que tu es quelque part par là, derrière. Et cette maudite porte est coincée. Donc ça, si, je peux pas l'ouvrir. Par contre, ce que j'ai pas vu, c'est qu'ici, je peux faire... Il y a deux choses. Il y a un pulse, il y a un casse-tête, ici. Ok, super. Et ici, il y a un objet que je peux utiliser.
Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Ok, on va essayer de faire le casse-tête. Bon, alors là, il y a un document. Oh! Oui, Minouche, toi aussi, tu fais du... Oh. Allez, casse-tête! Ok. A, B, C, D, E, F. Donc, il faut du diatae, du zébiscus, du philologue, de la prune, de l'escamonea et de l'ambrinus. Et je vais faire une photo, hein, t'embête pas à les écrire. Mais c'est gentil comme idée, mais je vais faire une photo. Le seul truc... En plus c'est super casse-pied à écrire les noms comme ça. Je vais faire une photo. Mais j'ai réfléchi pour le moment. Visiblement... Comment je les reconnais? C'est ça le truc. Diaprunis. Il faut 18 écus, 2 machins et 2 trucs. Ah, mais attends. En fait... il faut que je fasse une recette. Sauf que là, A, B, C... C'est pas dans l'ordre. F, E, A, B, D et C, il faudrait que je mette la plante que j'ai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je peux pas utiliser... Non. Parce qu'il y a une plante que j'ai pas du coup, là. En C. Et donc en C, ce que j'ai pas... C'est du phylogos. Tu crois? Moi, je peux pas aller en C. Je peux pas aller en C, là, celui qui est tout à droite. Mais alors, on va réfléchir à ça, de pourquoi je peux pas utiliser le C. Mais la question pour le moment, c'est quelle recette je dois faire? Et pourquoi je ferai telle recette? Je regarde les noms des recettes, mais pourquoi je ferai ça en fait? Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Il y a 10 recettes. Sur les 10 recettes, j'utilise laquelle? Pardon, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Oui. Et en fait, je me demande si j'ai pas déjà la solution. J'ai un poème. Un PNJ? Tu sais à quoi ils ressemblent les PNJ dans ce jeu? Souvent ils sont un peu morts. Et pas très accueillants. 4 clés dans 4 serrures. Notre barrière entre la vie et la mort. Alors je la connais, enfin je sais où elle est la porte à 4 serrures. 4 frères et 4 liens résistants pour subir le même sort. Le prieur en lui-même insiste. L'abbé fait confiance à une statuette. Victorino où l'air est plus fin. Où l'air est plus fin. Et moi dans l'abîme. Nous avons fermé nos frères. Sans la moindre gentillesse, nous les avons piégés, nos frères. Parce qu'ils sont tombés dans la folie. Et nous, qu'avons-nous perdu? Avons-nous tourné le dos à notre raison? Chers frères, pardonnez-nous, car nous avons perdu toute l'humanité. Alors en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que il y a bien 4 mecs qui ont fermé tous les moines, qui devaient tous être possédés. Et les 4, ils ont 4 clés. Alors j'ai déjà récupéré une clé. Je sais même plus où est-ce que j'ai eu ma première clé. Si, elle était dans un four. On l'avait fait brûler, le gars. Et l'abîme, je sais pas où c'est. J'en sais rien. Bon, c'est pas ça. Cahier perdu. Pardon, hop.
Non, ça c'est que des... Ça c'est que des notes de sucil ou de machin. Qu'est-ce que tu fais, Minouche? T'es casse-pied là. Ah, y a juste un truc en fait, je suis en train de me dire que ça, j'ai pas essayé de mettre la plante dedans. Quand on fait des herbes, faut les faire sécher les plantes. Non, ok. Tu sors ça d'où? C'est une solution classique. Les éléments faciles. Je vois pas, hein, j'ai pas le. On va continuer, je vais pas perdre du temps à essayer de résoudre une énigme dans laquelle non seulement il me manque une plante, mais en plus, je sais pas quelle recette je dois faire. Sais pas ce que t'en penses, mais moi là, je sais pas résoudre ça. On va continuer. On a encore pas mal de trucs à faire qui sont pas rassurants. Je pense que... Oui, non, mais pour le moment, j'ai trouvé deux clés sur deux cadavres. Donc je pense qu'il faut effectivement trouver les cadavres. Mais je pense qu'il faut d'abord résoudre les énigmes. Et ici, j'ai pas fini. Normalement, j'ai encore tout le couloir à faire. Ah, mais non, mais je l'ai fait. Non, je suis pas montée. Non, si je suis... Ah, mais non, du coup, je sais pas... Je saurais pas quoi faire. Si j'ai d'autres trucs à ouvrir, t'inquiète. Avec la clé de fer. J'ai encore plein de trucs à ouvrir. Si je reste en vie. C'est bon, il a pas bougé. Parce que j'ai pas été par là jusqu'au bout encore. Où on voyait derrière par où Sébastien s'est échappé. Bah oui, c'est sûr, mais là tu peux pas. Non. Allez, pas de stress. On va juste réfléchir tout de suite. Les portes fermées avec une clé triangle. Ouais, il n'y en a pas encore plein, il y en a encore une. Parce que celle du réfectoire, c'est juste pour faire du raccourci. Ok, je ressors au nouveau cloître. Je vais sur la gauche pour ouvrir la porte du réfectoire. Je traverse et je vais sur tout en haut à gauche. Si j'y arrive en vie. Parce que ça se trouve, il doit me manquer un truc là-bas pour pouvoir comprendre ce que je dois faire là. Hein. Il n'y avait rien à prendre ici. J'ai dit à gauche, hein, si on me laisse y aller tranquillement. D'accord. C'est qui, c'est quoi? Oh non, miroir. Où ça craint? Là. Ils sont fourbes. C'est dégueulasse avec de me faire ça avec tous les murs qu'il y a. J'ai vu quelqu'un là. J'avais vu sa main. Je crois que dans l'ordre que je les teste, ils vont arriver premiers, ceux-là. Ils me font vraiment peur. Ils sont pas durs, mais ils font vraiment peur. Donc c'est par là que je dois aller, en fait, ouais.
encore un petit peu. Maintenant, je peux ouvrir ici. Non, c'est encore plus noir que dans mon souvenir. Alors, je peux descendre dans le puits, hein, mais je suis sûre que c'est un piège. Ça doit être un piège fatal. T'en penses quoi, toi? Maintenant que tu connais bien le jeu. Je peux descendre dans un puits. Ça me dit, êtes-vous sûr que vous voulez y aller? Oui, non? J'en ai déjà trouvé un endroit piégé, il y a une porte. Mais il y a toujours une baignoire ou un autre truc aussi. J'ai plus besoin de cette clé, donc j'ai ouvert tout, tout ce que je pouvais ouvrir avec cette clé-là. Franchement, en plus, c'est fourbe parce que ce puits, mais tu y accèdes dans les 3 minutes où tu commences le jeu. Donc en gros, ça se trouve, tu peux perdre ton personnage, mais tout de suite, quoi. Nouveau lieu. Salle capitulaire. Deux portes. Et peut-être des monstres. Ah, je vais regarder là parce qu'on peut se cacher. Moi aussi, j'irai vraiment en dernier recours si je sais plus quoi faire. Ah bah. Lui, il a peut-être une clé hein, sur lui. Et pam 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 pam. La clé en argent. Donc il fallait faire toutes les portes en fer pour avoir la clé en argent. Aura-t-on une clé en or? Faut que j'arrête, faut que je me calme. En fait, l'angoisse me fait papoter, mais un max, quoi. Et il y a une porte là aussi qu'on peut pas ouvrir. Comme ça, on va voir ça. Je continue mon tour, il n'y avait pas un truc là-haut? Yes! Il est marrant ce personnage. Je continue mon tour. Une petite note. Douloureuse confession de culpabilité du frère Ernino. Bibliothécaire. Oh, c'est trop long. Je peux pas baisser en vrai. Ah si. Ok. Puis cette confession expiait les terribles péchés que j'ai commis. Tout a commencé avec les réputations qui ont précédé le concert. Même si nous pensions que tout c'était simplement... Que c'était simplement du stress. J'arrive même pas à lire. Je m'y reprends. Le moment venu, et devant les nombreux invités, loués soit-il, on m'a demandé de surveiller nos précieux textes pendant que les frères chantaient. Je ne les ai donc jamais entendus. Ce que j'ai entendu, c'est le hurlement qui s'en est suivi, même si j'étais à plusieurs séniles de distance de l'église. Quand je suis arrivée sur les lieux, c'était le chaos partout. Il y avait les gens là-bas. Je ne sais même pas par où commencer à décrire tout cela. Des morts, des blessés, d'autres étaient devenus fous, et nos frères bien-aimés de la chorale, Dieu Tout-Puissant. Au début, ils semblaient normaux, mais ils se sont soudainement transformés en ce qui ne peut être décrit que comme une forme démoniaque, pour ensuite revenir à la normale quelques instants plus tard. Ils ont souffert de crises épouvantables, hurlant et se tordant de douleur. Parfois, ils essayaient de nous attraper en désespoir de cause. D'autres fois, ils criaient d'une voix qui semblait sortir d'un abîme insondable. Nous les avons emmenés dans leur cellule, à l'étage supérieur, dans le couloir faisant face au nouveau cloître. Et Dieu ait pitié de nos âmes, nous les y avons enfermés. Nous avons fermé la porte et nous l'avons bloquée du mieux que nous pouvions avec une serrure. Il fallait plusieurs clés pour l'ouvrir. De cette façon, personne... C'est dans un moment de faiblesse ne serait tenté de libérer ce que nous venions d'enfermer. Une clé a été remise à l'abbé, un autre au prieur, une autre encore au trésorier, et la dernière m'a été remise. Pour cela, je demande pardon. Pardon et la force de bien faire les choses. Ça raconte un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé, ce fameux concert de 1912. Eh ben, je regarde derrière quand même, si jamais il y a un code, un truc... Et donc c'est lui.
Et j'ai récupéré sa petite clé. Alors ça sent la porte piégée, je sais pas pourquoi. Non. Ah merci Shingo, si c'est toi qui as été regarder des pubs, merci beaucoup. Une fois qu'on est passé à 44. Ok, ça a l'air safe. C'est verrouillé de l'autre côté. J'aime bien, il dit nope. Bon, ça, t'as la force quand même d'ouvrir ça, non? Est-ce que j'ai envie? Parce que y a quand même quelque chose qui a tapé hein, sur la porte. Chigo, n'ouvre pas! Eh ben écoute, je vais pas ouvrir pour le moment. On connaît bien le jeu. Parce que maintenant que j'ai la clé en argent, j'ai quand même beaucoup de choses à ouvrir. On va regarder ça. Déjà, il y a une porte là juste à la sortie. Enfin, dans le même couloir là. Que je peux ouvrir. Et il y en a une là-bas, en bas. Voilà, bon, j'ai deux nouvelles portes que je peux ouvrir. Donc c'est déjà pas mal. On va déjà aller faire ça avant de se dire qu'on va dans des puits ou qu'on ouvre des portes qui bougent toutes seules. Hein. Moi, je dis ça. Je dis rien. Je rigole nerveusement. Je suis surprise, ça fait 1h44 que je joue avec le premier perso que j'ai utilisé. J'ai réussi à le garder en vie jusque-là. Moi, je dis chapeau. Je devrais pas trop me vanter parce que ça a mal se terminer. Ok, ça, je peux ouvrir. Il est vraiment glauque hein, comme endroit. Par contre, ça va faire 30 secondes de pause. Par contre, je retrouve pas d'effet, hormis les QTE, je retrouve pas d'effet aléatoire encore. Ça va faire 2 heures que je joue. Comme il y avait dans le premier manoir. Ou dans les autres épisodes où des fois il y avait des morts qui apparaissaient en fait. Je sais pas si tu te souviens, dans le premier épisode, on croisait quand même un petit gamin qui court. Une fille qui ferme une porte, il y avait des trucs un peu flippants comme ça. Et là, bah, il n'y en a pas. C'est juste le lieu et l'ambiance sonore qui fait flipper. Et bien sûr, l'histoire est rencontrée le QTE, quoi. Mais j'ai pas d'effet de ouf comme ça, qui me faisait vraiment, qui me terrifiait dans le premier, pour le coup. J'avais toujours peur de voir un truc. Dans un mouvement de caméra, j'avais toujours peur de voir un truc. J'ai plus cet effet-là. Allez, j'y retourne. Le scriptorium. Donc, il y a une pièce derrière moi. On va aller voir si on peut ouvrir la porte qui est au fond. Ça ferait des raccourcis pour le beau cloître. Ce serait peut-être pas mal. Surtout que maintenant, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie d'ouvrir toutes les portes. Donc là, je pourrais me cacher. Un livre à moitié copié. Ouais, c'est là où ils reproduisaient les livres, les moines. Scriptorium. Ah, encore un bout de papier. Encore un bout d'histoire. Les plans du bibliothécaire. D'ailleurs, on le cherche, le bibliothécaire. Il a une clé. Alors, figure-toi que le gros monsieur, je l'ai déjà revu. C'est le premier QTE que j'ai eu. C'est le QTE Silence. Et donc, c'est plus la même entité que dans l'épisode 2. Et 3, c'est le gros AB qui fait du silence en fait. Voilà. Enfin, qui fait le QTE silence. Frère Victorino n'arrêtera pas de proférer des blasphèmes. Et je sais qu'il s'opposera à la réouverture du couloir où nous avons fermé nos frères. Ouais. Mais je sais aussi qu'il a caché sa clé dans l'encensoir. Je n'ai donc qu'à y accéder. Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre prieur. Le frère. Ouais, je pense. Le père Malakias, mais j'ai le sentiment que l'abbé l'a enfermé dans sa chambre, lui laissant une seule sortie possible, la porte qui mène aux cellules.
Si j'ouvrais le passage, je pourrais le libérer et le convaincre de corriger l'atrocité que nous avons commise. C'est un homme gentil et raisonnable, du moins l'était-il avant le concert. Dieu Tout-Puissant protège-nous. Chacune des personnes qui a assisté à ce maudit événement est devenue folle. Notre abbé, le père Agono, plus que quiconque encore. Au cours des psaumes nocturnes, il chante un air différent, celui qui ressemble à la mélodie jouée par les musiciens avant cette nuit fatidique. Où que je sois, j'entends les échos déformés de sa voix dans le cimetière. Des chants dans le cimetière, c'est jamais rassurant. Je dois lui parler, le convaincre de me donner sa clé, trouver un moyen de l'obtenir. Seigneur, donne-moi la force de l'affronter. En gros, il restait 4 survivants, là. Ils avaient chacun une clé et ils n'étaient pas tous d'accord sur ce qu'ils devaient faire par la suite. Il y en a un là, il se culpabilisait d'avoir enfermé les moines quelque part. Ah non, je peux pas. C'est condamné, ok. Une source d'éclairage alimentée en combustible. Il n'y a pas de combustible dedans, je dois trouver quelque chose qui puisse brûler. Pourquoi? Il y a encore un truc là. Non. Je n'ai jamais vu de dessin pareil. Alors si je mets de l'alcool avec sa petite lampounette. Yes! Et donc. Ben on verra. Ça servira peut-être quelque part. Hein. Il y a du bruit chelou. Il y a des bruits de tuyaux. J'entends mieux au casque. Hein. Non. Oh, maintenant il faut une clé de bronze. Super. Donc on va aller tout au sud là. Où je peux encore utiliser une clé. Parce que j'ai quoi comme clé? J'ai dit oublier. Non, c'est la clé d'argent, ça marchera pas. Con! Rien du tout. T'inquiète. On va prendre l'air. Non. Ouais, calme-toi. C'était juste pour nous faire peur. Il y a ça là que je peux pas. Non. Il m'en manque un en fait. J'ai encore le sécateur aussi. Bon, allez, je vais ouvrir la porte qui me reste. On va passer par le réfectoire. Même si je suis pas très fan. Parce qu'au tout début du jeu, j'ai eu un QTE dedans. Je peux regarder là, je pouvais pas avant. Heureusement que j'ai pas de problème de cœur, hein. Donc c'est sur la droite du personnage. Ouais, c'est ça. Avec les effets de caméra, on sait jamais trop. Et c'est la deuxième porte. C'est sympa cette musique, hein, mais... Ça angoisse un peu. Ah.
On se laisse prendre au truc, hein. Mais tu me dirais non, on n'ouvre pas, ça serait déjà trop tard. Truc horrible. Page manuscrite du journal du père Aguno, abbé. On est chez l'abbé. En tout cas, il a laissé un message. Le frère Ernino est devenu fou. Une autre tragédie dans la longue liste des malheurs qui nous frappent. Jusqu'où faut-il errer face à une telle calamité? Ernino voulait ouvrir la porte, rassembler les clés une fois encore, pour ouvrir la porte et les libérer. Je comprends sa compassion. Loin des autres frères, je n'entends leurs cris que dans mes rêves. Mais il doit les entendre jour et nuit, et une telle horreur a dû le briser. Lorsqu'il est venu me voir, il m'a dit ce qu'il voulait. Je devais le faire. Si nous voulons avoir le salut, je ne peux pas hésiter. J'ai traîné son corps dans un sarcophage vide, conformément aux ordres du faucheur. C'est qui le faucheur? Maintenant, seul Dieu et la mort savent où se trouve sa clé. Donc il y a une clé dans un sarcophage vide. Et bah va falloir trouver. Je sais pas où c'est. Et j'aime pas du tout cette pièce avec cet effet de caméra. On est dans un grenier. Il n'y a pas de porte. Ça pue. Il me faut une clé ici. Parce que sinon, je peux pas continuer. Donc je pourrais me cacher là. C'est bon à savoir. Mais qu'est-ce que tu fais, le chat? T'es en train de casser mon fauteuil? Ok, encore un petit mot là. C'est des dessins aux motifs qu'il reconnaît pas. Ah, il y a un rat qui s'est barré. Les derniers ravitaillements. Je sens que ça pue. Il y a un truc là-haut. Ah non, c'est derrière. Je sens que ça pue. En plus, j'ai le chat qui s'énerve. C'est pas une porte, ça. Des livres. Ah! C'est un soldat de la Première Guerre mondiale qui est venu s'échouer ici. Mais non, mais t'es con, je l'avais déjà vu! Je te jure, pourquoi ils font un effet de caméra comme ça alors qu'on l'a déjà vu? Ça m'a fait peur pour rien. Bah ils m'ont fait peur pour rien là aussi. On est là pour se faire peur. Hein. Bon sang, personne n'a donc trouvé ce pauvre type depuis les années 40. Ah 40 carrément. Pas la Première Guerre mondiale, la seconde. Ok, mais je peux récupérer sa pelle. Ah mais ils me disent oui ou non? Non mais il va pas me sauter dessus si je prends la pelle. Le soldat porte un uniforme de la Seconde Guerre mondiale. Américain, je dirais. Il portait sa pelle. Est-ce que je dois prendre la pelle, oui ou non? Ça peut pas être un piège. La pelle, elle est là. Lui, il est mort depuis 60 ans. Allez, on y va. Mon Dieu, c'est la pelle d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Je n'étais qu'un garçon quand cet homme est mort. Je pense que c'est utile, c'est très utile une pelle. Il a une grenade à la ceinture. Je pourrais en faire don à un musée. Non, non, non. Non, 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 non. Alors pourquoi il y a encore un point d'interrogation là? Vu que je viens de répondre à la question. Parce qu'il y a un deuxième point. Non, bah non, ça non, non, sûrement pas. J'ai dit non. Oh non.
j'ai une crampe. J'ai une crampe à la main. J'ai la main qui se rentre là. Je sais même pas si ça se voit. Il est pas trop dur celui-là, mais faut être à fond. Hein. Faut vraiment être à fond sur le A. Il a son cœur, son petit cœur qui bat, le pauvre. Fou 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 fou. J'en étais où? Je viens de récupérer une pelle. Ici, non, je ne prendrai pas la grenade à moins d'y être obligé. Ça serait quand même con de mourir en se faisant exploser. Alors qu'il y a une entité qui traîne qui n'a pas encore réussi à me tuer. Moi, je trouve ça un peu débile. Par contre, avec une pelle, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de retourner au four, enlever ce qu'il y avait dans le four, mais j'y crois pas. Ce qu'on cherche, c'est un sarcophage. Je sais que... Je peux pas bouger ma... Si. Dans l'ancien cloître, là, il y a un engrenage. C'est une porte en bois que je peux pas ouvrir comme ça. Il faudrait peut-être faire levier avec la pelle. Taper des gens. Moi aussi, j'aimerais bien taper les entités, mais ça marche pas beaucoup comme ça. Parce que si tu regardes quand même où j'en suis là, en vrai, à ce niveau-là, il reste pas grand-chose à faire. Hein. Il y a des étages. Mais ah, mais si, je peux encore ouvrir une porte, là. J'ai encore la clé. Bah ouais, il me reste une porte à ouvrir là-bas. Alors, ce que je vais faire, je vais aller essayer d'ouvrir... le truc en bois dans l'ancien cloître. Parce que j'ai juste à faire sortir du grenier, aller au réfectoire et j'y serai quasiment. Ensuite, on ira dans le nouveau cloître à l'étage pour ouvrir la porte. D'ailleurs, je dis des bêtises dans le scriptorium, là-bas je l'ai. Non, c'est une clé. Pardon. C'est une clé en bronze. En haut à gauche, c'est une clé en bronze qu'il faut. C'est pas celle que j'ai. Allez, on va essayer d'utiliser cette pelle. Si j'arrive à sortir de là vivant. Pourtant, j'étais convaincue que j'allais trouver une clé dans cette pièce, mais... Donc, ça doit être par là. C'est ça, c'est ici, je traverse tout droit. En espérant que rien ne me tombe dessus. Moi j'aime bien Alexander parce que il est croyant et il fait plein de prières. Et peut-être que ça éloigne l'entité. Ou pas. Voilà, ce truc là. Je sais pas comment on peut appeler ça. Non. Non, non, non. Eh ben on va aller ouvrir la porte à l'étage. Toujours cool. Ouais, c'est ça, une sorte de monte-charge ou un truc pour faire descendre du grain ou je sais pas trop. Mon chat est très énervé et elle fait pas des bruits qui me rassurent beaucoup. Derrière, un truc que j'ai pas fait dans cet épisode-là, c'est faire le tour du puits. Hein. Allez, cool. Par contre, il est lent. Hein. Les persos, malgré tout, ils sont plus ou moins rapides en marche. Mais là, jouer cool avec lui, c'est à la limite du supportable. Hein. Ok, il a plus besoin de la clé. On a tout ouvert avec cette clé-là. Je peux pas écouter derrière la porte, là.
J'ai pas le choix. Alors, t'entends peut-être pas bien de ton côté, mais moi j'ai des clochettes sur la gauche, donc sur sa droite au perso, et j'aime pas du tout. Je crois qu'il doit être irlandais. Il a un nom, je sais plus, là je me rappelle pas. Mais moi, il a un nom qui me fait un peu penser à irlandais. Il y a un truc, hein, il y a un truc là. Sur la gauche de l'écran, il y a un truc. Je sais pas quoi, mais il y a un truc. Il y a trop de bruit. Il y a un bruit pas innocent du tout. Et ça, c'est une saloperie d'entité. Qui normalement ne fait pas, ne tue pas, mais... Oh c'est dégueulasse! J'ai déjà échappé à cette entité qui tue pas, mais faut marcher pour l'éviter. Et je pouvais pas écouter. Enfin, si, mais fallait que je change de pièce avec cette entité, souvent, ce que j'ai fait. Et là, ben là, il y avait un truc derrière, quoi. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Au bout de 2 heures. Voilà. 2 heures de jeu, premier mort. Oh là là. Et ça m'a surpris, hein, ça m'a violenté. Ça m'a violenté. Mais il me reste mes deux héros. Parce que Finnegan, Ernest Finnegan. Toi aussi, t'as eu peur. Je pense que quand je crie, je dois faire peur aussi en live. Donc je vais pas l'utiliser lui, hein, c'est sûr. Mais j'ai pas envie d'utiliser Alexander tout de suite. Je vais prendre Grace, parce qu'en plus, elle est assez discrète pour que je puisse courir un petit peu plus. Alors bien sûr, je rappelle que si on croise Ernest, on va pas le saluer. Si on croise Ernest, on lui dit pas bonjour, hein. On sait ce que ça fait. C'est bizarre, j'ai une fenêtre de voisin en face qui est allumée, qui est jamais allumée d'habitude. Et j'ai pas pensé à des fantômes, hein. Plutôt penser à des gens qui viennent d'emménager. Elle est rentrée par où, elle? Elle rentre par là, elle. Tranquille. Holy shit, nice place to start. Ouais, ou pas. Je suis mort tout, moi, du coup. Je suis complètement paumée. Oui, à l'étage. Donc, c'est... Je sors d'ici. Et... ok. Je sors d'ici, mais plutôt par là. Mais c'était fermé. C'est ouvert maintenant? C'est ouvert maintenant. Et donc, ça doit être tout là. Puis elle a une torche au moins. Elle fait moins touriste. Hein. Ah, c'est pas cette porte-là, c'est ici. C'est ça, hein, je suis morte à l'étage. Hein. Je venais juste rentrer dans une nouvelle pièce. Donc elle va un tout petit peu plus vite en marchant. C'est pas flagrant. Ça grince. C'est pas flagrant, mais ça reste une réalité, elle va un peu plus vite. Donc ça reste une pièce dégueulasse, hein.
Une infirmerie, il y a encore un mort là, couché. Elle a peur. N'aie pas peur. Ah, bien, outils démontés. Trois yeux de pièces. Trois yeux. Trois jeux de pièces détachées métalliques ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Elle les a combinées toutes seules. Ils ont simplifié des trucs, hein. Mais, pas ça que je voulais faire. Je crois que j'ai toutes les pièces qu'il me faut. À quoi ça pourrait servir, ça? Peut-être justement à ouvrir le truc de monte charge. J'y retournerai avec ça. Si elle reste en vie. Ça va, monsieur? Je peux vous aider ou pas? Il y avait un truc là qui pouvait être activé. Non, c'était derrière le rideau. J'aime pas du tout. Exactement. J'ai vu un truc bouger là. Et ça lui a fait peur. Je préfère ne pas savoir ce que sont les restes noirs dans le seau. C'est ça là qui a bougé là. Mon Dieu, ils n'ont même pas été enterrés. On entend des mouches, il y a des morquettes pas. Hein. À part là. J'entends beaucoup de mouches sur la gauche. Petite prière. Je pense qu'on va tomber sur un truc hyper glauque là, au bout là. C'est obligé, j'entends trop de mouches. Ça va bouger. C'est obligé. Un établi que je peux utiliser. J'imagine un docteur désespéré essayant de sauver les victimes pendant qu'elles mouraient une par une. Je le sens pas du tout ce fauteuil roulant là, il y a quelqu'un là-dessous. Lettre de suicide du trésorier. Ah c'est lui. C'est le quatrième que j'ai pas encore croisé. Rien dans les saintes écritures ne peut décrire cet endroit. Je le vois tous les soirs, et tous les soirs, il est différent et pervers. Cette couleur indicible, l'horrible lueur éclipsée dans le ciel. Mon esprit est brisé. Pas même le diable n'est capable d'une telle fourberie. Car il hurlerait de terreur en voyant ce que j'ai vu. L'horreur à l'état pur, la mort et l'oubli éternel sont un doux salut comparé à ceci. Si, après m'être ôté la vie, je me réveillais dans une mer de flammes torturées, je verserai des larmes de soulagement. Il voulait vraiment mourir, lui, hein. Victorino. Il tenait vraiment pas à la vie, hein. Alors, il y a un pulse. Et je peux choisir des pièces. Pour ouvrir un espèce de coffre, on dirait. Et je peux... Ça va être compliqué. Et j'ai... Ok, et... Non, c'était pas ça, donc. Oh, ça va être compliqué. Non, c'est pas ça. Dans son sein, alors. De trous. Ah si, mais c'est obligé que j'ai un truc comme ça. Hein. Les trous, ils... Voilà. Une fois que j'ai fait ça. Ça semble très bien, non? Non?
Ok. Déjà, mais rien que de comprendre comment ça fonctionne à utiliser, c'est la grosse galère. Ensuite. Ensuite, ben, je vois même pas. En fait, ça se trouve, c'était à la fin, en vrai. Hein. Je suis sûre que c'était à la fin. Je pense que. J'aimerais bien celui-ci, là. Non. Je vais aller. Mettre ça, c'est pour nous donner des idées. Hein. C'est pour nous donner des idées. Parce qu'ensuite, Shigo, il avait bien vu ça. Visiblement, ça doit pouvoir quand même se caler à peu près ici. Un truc du genre. Mais tout à l'heure, ça collait bien. Ou alors, c'est dans l'autre sens, peut-être. Parce que là il y a un trou en dessous, mais pas là. Ça collerait plutôt comme ça en fait. Je suis pas convaincue finalement. Par contre, ça glisserait bien sur le rail là, comme ça. Faire un truc comme ça. Excusez-moi, bah vous disiez rien, voilà. Vous ne disiez rien, et du coup, je pense qu'on n'est pas loin. Parce que celle-ci, elle va venir se glisser ici, j'imagine. Ah. Bah me dis pas bravo parce que faut encore que ça passe. Visiblement, c'est pas dans le bon sens. Parce que après, vous voyez, on fait cric 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 avec ce truc-là. Ah ouais, mais non, c'est trop loin. C'est quoi ce délire? Faire tac 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 tac. À moins que ça soit. Tac, 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 tac. Je vais. Ah ouais, mais alors. Parce que. Vous inquiétez pas. Il suffit de se souvenir de tout ce qu'on a mis. Mais vous voyez, depuis le début, je disais les petits trous avec les petits trous, les grands trous avec les grands trous, sauf que là, c'est un petit trou avec un trou moyen. Et donc ça, on est d'accord que ça se glisserait bien ici. Hein? On aimerait bien. Mais ça veut pas. Faire toc toc toc. En même temps, ce mécanisme, on va faire quoi? Ça va soulever comme ça? Alors attends, la vis du dessus s'est vissée, ça va pas aller. Mais tout à fait. Ce qui veut dire que cette pièce-là, en vrai, il faut que je la mette avant. Sauf que je n'arrive pas à la poser depuis un siècle.
C'est abusé. C'est tellement abusé. En tout cas, je pense qu'on pourra dire qu'on a réussi un travail d'équipe. On a tous mis un petit bout par-ci par-là. Pardon, je m'emporte, j'oublie l'essentiel. Et en vrai, quand on les met à la bonne place, ça se colle tout seul, quoi. Non, mais c'était quoi cet objet-là? Moi, le nœud, c'est pour mesurer. Alors, attendez. J'ai récupéré un nez. Oh, ok. Voilà ce que c'était. C'était pas une serrure du tout. C'était un écarteur chirurgical. C'est fait pour faire des autopsies. Vous savez, ça écarte un truc qu'on ouvre avec un scalpel. Ça a l'air usé, mais on dirait que c'est solide. Ok. Alors, c'est ça que je voulais faire. Je vous félicite. À tout ce qu'on est, on a réussi l'énigme. Bravo. On a tous mis une petite pierre à l'édifice, ce qui nous a permis de nous en sortir. Franchement, toute seule, je pense que j'aurais pas été plus rapide. Ça aurait été une catastrophe. Ça se trouve, j'aurais arrêté, j'aurais recommencé demain. Bravo, bravo. Et je vais quand même continuer un petit peu. Il est quelle heure? Minuit et demi, ça fait 3h17 que je live. Après, on est vendredi, donc ça va. Bon, si vous êtes fatigué, vous me le dites. De toute façon, je continuerai après le jeu. On finira pas ce soir, hein. On finira pas ce soir, mais j'aimerais continuer un petit peu. Je refais une petite dose de nicotine. J'ai pas fait de pause depuis 3 heures que je stream. En tout cas, bravo, vous m'avez bien aidé et c'est super sympa. Allez, continuons dans l'horreur. Alors, ici, il n'y a pas plus à faire, hein. Du coup, j'en ai oublié où j'en étais, hein. Il me reste quoi comme objet? Il me reste plus de clé. J'ai toujours pas utilisé cette lanterne. J'ai pas utilisé le soufflet, même si je sais où on doit l'utiliser, mais il me manque un objet. Ah! Il faut peut-être que je transforme les fleurs en poussière pour aller faire l'énigme des fleurs là-haut. Ah non, le cauchemar n'est pas terminé. Je suis pas sûre que ce soit ça. En tout cas, il y a une idée. Ça, je sais pas à quoi il va servir, mais je vais trouver. Je rappelle que je dois trouver un sarcophage avec un mort dedans, avec une clé dedans. Donc, je vois bien un petit sécateur pour faire une petite entaille dans le corps, pour écarter ensuite et récupérer ma clé. Moi, je vois bien ça, comme ça. J'ai pas regardé ça, il y avait un mot. Mais, ok. Enlève ta torche. Je vois les rats courir partout, même dans les effets de lumière là-haut. Bon, il n'y avait rien de plus ici. J'entends un drôle de bruit quand même. N'y a pas de pulse, hein, non. Restons cool. Il y a un truc à résoudre tout en face. En face, il y a un pulse avec les plantes et un objet activé avec des objets. Je suis pas revenue depuis longtemps. Peut-être que maintenant j'ai l'objet qu'il faut. J'aime pas du tout ces plans de vue. C'était pas là, excusez-moi. Eh ben écoute, je l'ai eu la clé du corps en dessous de la grille. Je l'ai eu. Il fallait boucher l'évacuation pour que l'eau, au lieu de sortir, elle fasse remonter le cadavre. Ça, je l'ai eu. Voilà, c'est ce que dit Shigo. Mais ici, il y a
un appareil. Une cuisinière allumée. Je me demande si le professeur Huchin l'a utilisé. Et je peux utiliser des trucs là-dessus. Donc, non, bah non, ça marche pas. Je vois pas pourquoi on utiliserait une torche. Ça serait bizarre. Bon. Dans le doute, mais non. L'appel, je sais toujours pas comment faire. De toute façon, on va refaire le point. Hein. Ici, c'est une sorte d'alambic. Va falloir que je crafte quelque chose. Et je ne sais pas encore quoi. Ici, il y a un pulse. Avec des recettes. Mais j'ai pas trouvé l'énigme qui me donne quelle recette je dois utiliser. Et surtout, je n'ai pas la plante C. Vous voyez, c'est vide. Le C, c'est vide. Ou alors, c'est la seule recette censée qu'il faut que je fasse. Le C, c'est quoi? Philogos. Elles ont nom. Il y a la troisième qu'on a. Il n'y a que la troisième qu'on a du Philogos. Et ça se trouve, c'est ça. Ça me dit que c'est cette recette-là que je dois faire. C'est la troisième recette. Sauf que j'ai effectivement une plante dans mon inventaire. Mais que j'arrive pas à la mettre là. Donc c'est quoi? Il faut du Philogos. Un Philogos, il faut deux Diltae. Donc deux A. Le A, il est là. Un, deux. Et un demi diaprunis. Donc il faut mettre 4. Il faut tout doubler. 3, 4. Et un diaprunis. Et diaprunis, c'est... Ah mais attendez, oh, quelle horreur. Le diaprunis, c'est en dessous. C'est deux revisticus et deux prunus. Donc faut d'abord faire... Oh là là, il va me falloir un cahier pour ça. Sauf que j'ai toujours pas de Philogos. Ça, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Je pense que j'ai une partie de l'énigme. C'est-à-dire qu'il faut faire une première recette avant de pouvoir faire une autre recette. Mais avant, il faut que j'ai du Philogos. Et j'en ai pas. Il n'y a pas une photo du Philogos, non. Sachant que, donc, n'oublions pas, j'ai dans mon inventaire une plante. Qui est peut-être effectivement du Philogos. Pourquoi il y a des éclairs au fond ? Pourquoi la lumière, elle joue comme ça? C'est très bizarre. Je rappelle que le gars qu'on cherche, il est derrière cette porte. Hein. Ici, là. Alors, j'ai pas d'endroit où je peux creuser. J'ai pas vu. Par contre, j'ai toujours... J'ai toujours le puits où il y a une énigme dessus. L'énigme du puits, c'est qu'il y a un seau. Et je peux mettre quelque chose dans le seau. Mais j'ai déjà essayé des trucs, ça n'a pas marché. Ah, mais je pense que l'entité, elle l'a bien chopé. Sébastien. Je vais retourner dans la cuisine, là, que vous voyez tout en bas. Il y a un petit rouage.
Je vais retourner là. Parce que là, il y a un four. Et peut-être que je peux transformer ma plante pas en poussière, mais la sécher pour pouvoir l'utiliser ensuite dans la recette. C'est pour le moment l'idée que j'ai. Je me rappelle plus, Chigo, j'ai essayé l'appel sur la trappe. T'as vu une personne qui joue? Je veux pas savoir. Si tu vois des personnes qui jouent, je veux pas savoir. Parce que dans ce jeu, à part moi, il n'y a personne. C'est ça la réalité de ce jeu. J'ai pas été par là. J'ai jamais été par là. J'avais pas été jusqu'au bout. Ça se trouve, on va trouver. Non, c'est toujours sur l'histoire. Dernière note écrite par le père Malachias, prieur de l'abbaye. J'entends leurs cris, ils me hantent. Ils griffent désespérément la porte, essayant de s'enfuir, mais sont-ils seulement encore humains? La nuit, je les entends ramper les uns sur les autres de l'autre côté de la porte, et je crains qu'elles ne cèdent. Ils supplient, se lamentent et pleurent. Les choses qu'ils disent ne devraient jamais quitter cette salle. Même s'ils réussissaient à s'échapper, à quoi cela leur servirait-il? Moi aussi, je suis piégée. Je ne peux plus ouvrir le passage de ce côté. Mais je ne dois pas les laisser récupérer ma clé, car ils se rapprocheraient ainsi davantage de leur projet de quitter notre abbaye. Dieu Tout-Puissant, accorde-moi la force de l'éviter, peu importe le prix à payer. Je dois cacher quelque part où personne ne la trouvera pendant que je vivrai. Puisse Dieu avoir pitié de nous. Je pense que c'est lui que je vais pouvoir ouvrir. Bingo! Eh ben, on a bien fait de faire tout le reste avant. Ça valait le coup de faire cette énigme. Allez, Grace, sois courageuse. Une clé jaunâtre. Alors je sais pas ce qu'elle ouvre. Parce que juste ici on avait du fer tout ça. Il y a deux morceaux incroyablement complexes au bout. C'est bizarre que ce soit marqué ça. Vous entendez cette petite musique religieuse? Ah y a un autre truc. Je peux récupérer mon. On sait jamais. Ah, je l'ai récupéré. Y a rien d'autre? Ah, l'écarteur est cassé. Il est cassé. À moins que je le répare, cela sera inutile. On s'est embêté pour faire ça et on l'a cassé. Mais dans ce jeu, si je peux le reprendre, c'est pas anodin. Hein. C'est jamais anodin. On va bien se prendre une petite entité sur la tronche. Ah, caché! Juste derrière là. Ça m'a fait sursauter, mais un truc de ouf. Attention, je me concentre. Respiration. J'ai cru que j'allais la perdre. Je me suis tellement ratée. J'ai cru que j'allais la perdre. Ça m'aurait emmerdé, hein. Je suis désolée, je crois que j'ai crié. Je m'en doutais qu'on allait tomber à un moment donné sur l'entité, c'était obligé.
J'ai vraiment cru que j'allais la perdre. Ah ouais, je peux pas m'empêcher de crier en plus, hein. Je suis désolée. On le prête à cacher dans la pièce. En fait, je suis un peu embêtée parce que j'ai une clé. Mais je sais pas à quoi elle sert cette clé. Si, là-haut, au scriptorium, c'est la clé en bronze en fait. Sauf que Grace, elle sait pas reconnaître le bronze, l'étain et le fer. Je vais aller voir. Vous voyez, il y a un cadenas encore, il y a encore une clé en haut à gauche. On va aller voir ça. Et puis il y a une grenade que j'ai pas ramassée, mais je pense que ça c'est un piège. Je pense vraiment que la grenade c'est un piège. Comme le puits c'est un piège. D'ailleurs, le puits, il n'y a plus de point d'interrogation. Pourquoi elle court? C'est moi qui appuie sur la touche. Ouais, c'est ça, c'est moi qui ai appuyé. Moi, je la joue cool. Ça grince. Ça fait peur quand il n'y a plus de musique. C'est dommage, c'est la pièce qui est juste là, mais je peux pas l'ouvrir. Faut que je passe par le réfectoire. Non. C'était... Ah non, mais ça, c'est parce que c'est là où on est, en fait. Non. Là, je vais au scriptorium. Donc, je vais passer par le réfectoire. En espérant que l'entité ne revienne pas trop trop vite. Je vais vous dire, hein, pendant qu'on se balade, j'ai regardé, moi quand j'ai fini les épisodes, j'ai regardé d'autres personnes jouer aux épisodes que j'ai déjà fait. Et les gens, ils courent, etc., etc. Et en fait, ils ont deux fois plus souvent l'entité que moi. Je vais réessayer ça, je sais pas. Non, bah non, ça marche pas. En fait, ce que je dis tout le temps, c'est que les personnages, ils ont une capacité, enfin une stat discrétion. Et je suis convaincue que c'est pas pour rien. Non, c'est pas ça. Elle a dit, hein, je suis convaincue que descendre dans le puits n'est pas la solution. Elle tremble. Il y a un truc. Il y a un truc. Non, tu vois, Shigo? Je ne descendrai pas là-bas, sauf si j'y suis obligée. Ah, elle veut pas y aller. C'est pour ça, en fait. Ah, c'est marrant, ces différences entre les persos. Le petit grand-père de tout à l'heure, il voulait bien y aller, lui, si je l'ai envoyé. Mais elle refuse. J'ai l'impression qu'il neige de plus en plus. A priori, c'est par là. Hein. Ouais. Ouais, lui, il voulait y aller. Donc c'était forcément un piège.
D'ailleurs, on n'a pas croisé son fantôme encore, hein. Moi, je dis ça. D'habitude, les personnages qu'on tue, il y a des fortes chances qu'on les recroise. Ah, derrière ça, il n'y a pas de bruit. Maintenant, est-ce que j'ai la bonne clé? On sait pas. Non, c'est pas la bonne clé. Bon sang! Elle ouvre quoi, cette clé? Dans un état où faut pas leur dire bonjour, ouais. Ils sont pas de très bonne humeur. Je vais aller dans la salle capitulaire. Parce qu'en fait, je crois que c'est la salle de l'abbé, justement. Je sais plus, il y a un cadenas. Je vais regarder si c'est la clé d'un cadenas, même si d'habitude c'est pas tout à fait marqué comme ça. Mais comme c'est pas loin. Excusez pour les bruits de voiture. Ou de moto. Je peux pas creuser là. Il y a ce grincement qui est monstrueux. Est-ce qu'on est déjà sorti une fois, Grace, hein? Elle est sortie vivante de l'université. Ah zut, c'est fermé de l'autre côté, ça. Comment on y rentre, du coup? C'est quoi la porte qui est au fond? Ah oui, je pouvais pas. Si, avec la pelle, je vais pouvoir... J'avais complètement oublié cette porte. Lui, j'ai eu une clé sur lui. J'avais complètement oublié cette porte. Mais tout à l'heure, en fait, je voulais pas y aller. Et je vais essayer quand même. Et on finira demain avec Alexander si elle meurt. Parce que tout à l'heure, quand j'ai regardé la porte, ça a mis un grand coup dessus. Donc je me suis dit qu'il y avait un méchant derrière. Mais on n'entend rien. J'y vais, hein. Adieu, Grace. Ah bah non. Je suis où? Oh. Et bon, on n'a pas fini les copains. Et visiblement, on a lu un petit message qui disait qu'il y avait un fantôme qui chantait la nuit dans le cimetière. Ah, quand il disait que c'était l'épisode avec la map la plus grande, il mentait pas. Hein. Il mentait pas. Ah, c'est inversé, du coup j'ai du mal. J'ai tellement peur de ce qui va se passer ici. Ouais, mais moi je suis sûre que on cherche quelqu'un dans un sarcophage, hein. Il a une clé sur lui. C'était quoi ce bruit? Allez, stresse pas, ma grande. Tiens, prends un peu de caféine. Bonne nuit, Shigo. Je sais pas encore si je ferai la suite demain soir. Mais en tout cas, je pense que je vais quand même plutôt la faire dimanche soir. Parce que demain soir, je risque d'être occupée. Même si c'est pas encore sûr. Donc on se donne rendez-vous dimanche soir pour la fin de cet épisode. Ça grince, c'est une horreur. Et d'ailleurs, en fait, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 3h40 que je joue. Et je trouve que c'est une bonne... un bon endroit pour arrêter. Ça aura sauvegardé, parce que je rappelle que dans ce jeu, les sauvegardes, je les choisis pas.
Et ça sauvegarde à certains spots, en fait. Et je pense que là, ça vient juste de sauvegarder. Donc c'est le très bon moment pour arrêter pour ce soir. Et ça nous en promet des belles pour demain, ce cimetière. Ah oh là 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 là. Bah du coup, Agent Reyes, toi qui découvres ce jeu, t'en penses quoi de ce jeu à l'ancienne? C'est des sauvegardes automatiques, ouais. Bah rendez-vous dimanche soir, Shigo, vers 21h. Comme dame. Comme dame en ce moment. C'est sympa comme jeu, hein. Ça met de la pression, ça met un petit peu d'angoisse. Mais tu devrais regarder le premier épisode dans le manoir du gars qu'on est en train de chercher ici, en fait, de manoir Usher. Il fout vraiment les boules, le premier épisode. Les deux suivants, un petit peu moins. Bon, et bah sur ce, je pense qu'une heure du matin, c'est pas mal pour aller se coucher, pour pouvoir profiter de notre samedi demain. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et bah du coup, rendez-vous dimanche soir, 21h, pour la suite de cet épisode. Je pense qu'il y a moyen de le finir. Je pense qu'il doit rester 3 heures de jeu, 2h30, 3 heures de jeu. C'est un jeu qui fait en général 5 heures par épisode, à mon rythme. Voilà. Ah mais oui, bah par contre, ouais, pour l'histoire, on regarde au moins le premier épisode. Les deux épisodes suivants, c'est tout ce qui nous amène à l'abbaye, en fait. Voilà. Mais tout se met en place dans le premier épisode avec la boîte à musique et cette mélodie qui envahit l'esprit des vivants. Allez, bonne nuit, à très vite. Merci de m'avoir suivi. Un vrai plaisir. Ciao, ciao.